أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الأهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, prière et salut d'Allah sur la meilleure des créatures, notre guide et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin, chemin de la rectitude jusqu'au jour de la reddition des comptes. Suite à quoi, nobles frères dans la foi, nous rendons grâce à Allah Jalla wa Ala, exalté soit-il, qui nous a donné longévité jusqu'en ce soir du dimanche 7 du mois de Sha'ban de l'an 1442 de l'Égypte, correspondant au dimanche 21 mars 2021. La distance qui nous sépare du jeûne du mois de Ramadan est une distance de 22 ou 23 jours bi'iznillahi ta'ala. Qu'Allah Jalla wa Ala fasse de nous de ceux-là qui dans 22 ou 23 jours verront le Ramadan et le jeûneront en parfait état de santé. Et si à jamais Allah a décrété le terme de notre vie, puisse-t-il nous faire mourir un vendredi en état de prosternation avec la kalimatu shahada, et qu'il nous accorde la mort du martyr et dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous prions Allah Jalla wa Ala, et nous enjoignons à tous nos frères et sœurs de beaucoup prier Allah Jalla wa Ala qu'avant la venue de ce Ramadan, wallahi, que cette pandémie du COVID-19 puisse quitter la surface de la terre. Et qu'Allah Zodjal permette à ce que cette année ne soit plus comme l'année passée. Que nous puissions prier nos taravis, nos qiyamul layl, n'est-ce pas, et jeûner dans la mosquée, les maisons d'Allah Jalla wa Ala. Mais si Allah en a décrété autrement, nous le remercions infiniment. Ainsi, nous poursuivons dans notre rubrique ou encore notre programme de la Ramadanaise. La Ramadanaise qui n'est rien d'autre qu'un voyage vers le Ramadan bi'iznillahi ta'ala. Les fois dernières, nous avions parlé de la place du Ramadan, l'historicité du Ramadan et les avantages spirituels, sanitaires, socio-économico-politiques du jeûne. Mais aujourd'hui, nous allons voir les différentes catégories du jeûne. Bien-aimés dans la foi, sachant que quand on parle du jeûne, les savants ils disent que le jeûne est subdivisé en deux grandes catégories. Il y a les catégories des jeûnes obligatoires et également les catégories des jeûnes surérogatoires, c'est-à-dire en d'autres termes facultatives. Et dans la charia, c'est-à-dire la loi islamique, communément appelée la charia, lorsqu'on dit qu'un acte est surérogatoire, c'est-à-dire sunna, ou encore facultatif, les usuluyyin ils disent
que qu'est-ce qu'on appelle ou bien qu'est-ce qu'on sous-entend par acte surérogatoire en islam. Parce que le musulman se doit de connaître cela. Parce que quand on dit un acte obligatoire, un acte surérogatoire, alors le musulman doit connaître cela du point de vue de la charia ou encore de la loi islamique. Dans la loi islamique, quand on dit qu'un acte est surérogatoire, les savants ils disent ma yuthabu li fi'lihi wa la yu'aqabu li tarkihi. Un acte surérogatoire, c'est un acte que lorsque l'on l'accomplit, il a des récompenses. Allah le récompense. Mais s'il laisse cet acte-là, il abandonne, il néglige cela, Allah ne pourra pas le châtier yawmul qiyam. À titre d'exemple, puisqu'on parle dans le cadre du jeûne, le jeûne de lundi et de jeudi, le jeûne de Ashura, à titre d'exemple, ou bien beaucoup de jeûnes qui est conseillé de faire dans ce mois de Shaaban, car le prophète faisait beaucoup de jeûnes durant ce mois, comme l'a rapporté Aïcha, radiallahu anha, qu'Allah l'a gré. Alors tout ça, ce sont des jeûnes quoi? Surérogatoires. Cela revient à dire, si tu le fais, tu auras des récompenses. Allah, tu auras quoi? Des récompenses. Mais si tu abandonnes ça, tu ne fais pas le jeûne de lundi, de jeudi, Ashura vient, tu ne fais pas, le jeûne de Arafat vient, tu ne fais pas, alors Allah ne pourra pas te châtier. Pourquoi? Parce que c'est un jeûne comment? Facultatif. C'est un jeûne surérogatoire. Allah ne te châtiera pas. Mais si tu le fais, tu as des récompenses. Mais un bon croyant ne néglige même pas les actes surérogatoires. Pourquoi? Parce que si tu comprends la valeur importante du jeûne, le prophète dit Man sama yawman fi sabilillah za'za Allah waja'ahu bizalika yawm sab'in kharifan. Celui qui jeûne un seul jour pour l'amour d'Allah, pour la cause d'Allah, Allah va écarter, distancer, éloigner son visage du feu de l'enfer d'une distance de 70 ans. Si tu jeûnes deux jours, ça fait 140 ans de distance entre toi et le feu de l'enfer, Yawmul Qiyam. Imagine quelqu'un qui a jeûné 7 jours, ça fait 490 ans d'écart entre toi et le feu de l'enfer au jour du jugement dernier. Alors, un bon croyant qui a connu cela, qui comprend la place du jeûne, est-ce que même le surérogatoire va s'amuser? Là, Allah, il ne peut pas s'amuser. Rasulullah dit dans un hadith que c'est Allah lui-même qui dit, on appelle ça hadith al-Qudusi, un hadith à titre divin. Allah Jalla wa Ala dit kullu amal ibn Adam la illa siyam fa innahu li wa ana ajazibi. Allah Jalla wa Ala dit tous les œuvres du fils d'Adam l'appartiennent, c'est à lui. Le pèlerinage, c'est pour toi. La zakat, c'est pour toi. La bonne traitance des femmes, c'est pour toi. Mieux éduquer les orphelins, la sadakat, tout ça, c'est pour toi. Il dit, excepté seulement le jeûne. Allah, il dit, fa'innahu li. Le jeûne m'appartient, moi, Allah. Wa ana ajazi bihi, et c'est moi, Allah, de donner la pleine rétribution. Allah. Pourquoi Allah, il dit, le jeûne l'appartient? Parce que le jeûne, c'est un secret entre le jeûneur, le serviteur jeûneur et Allah. Tu peux bien manger, non? Tu sors, tu nous dis que, oui, vraiment, le soleil là, c'est fort, mon frère. Le jeûne là, c'est grave. On doit accepter, non? Qui t'a vu? Pourtant, tu as bien mangé. Non, on va seulement accepter que tu jeûnes. Tu as bien essuyé la bouche et c'est plus sec même que pour moi. Alors, Allah, il dit, le jeûne, c'est ma propriété personnelle. Et c'est moi, Allah, au jour du jugement dernier, qui va donner quoi? La récompense. Et y a-t-il un grand honneur autre que celui-ci? Qu'il y ait une grande cérémonie auquel on doit remettre les diplômes. Allah. Et que c'est la haute personnalité qui va te remettre proprement ton diplôme. Entre accepter que la haute personnalité te le remet personnellement. Ou bien qu'on te dit, bon, voilà un chargé qui doit te remettre cela. Lequel tu dois choisir.
Paul Biya, c'est le président de la République camerounaise, non? A supposé qu'il y ait une grande manifestation, une cérémonie au camp où on remet les diplômes. Et on dit que bon, puisque toi là, tu as bien travaillé, c'est le chef de bloc qui doit te remettre, n'est-ce pas, ton diplôme. Ou soit tu choisis que Paul Biya lui-même te remet personnellement, ou bien le chef de bloc. Tu dois choisir qui? Tous nous serons unanimes qu'on va choisir la haute personnalité. Et voilà pourquoi celui qui jeûne, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yawm al-qiyama, ce n'est pas un prophète qui va te donner la récompense, non. Ni un martyr, ni un vertueux, ni un anon. C'est moi personnellement, Allah, créateur de cette cieux de terre, de l'humanité tout entière. C'est moi qui va te remettre quoi? Ton diplôme. Et ceci devant toute la créature, les créatures, n'est-ce pas, d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un croyant qui connaît déjà les valeurs capitales du jeûne ainsi, il doit s'amuser avec le jeûne suroratoire, là. Donc, il y a deux types de jeûne, suroratoire et obligatoire. Alors, les savants de la charia, ils disent, qu'est-ce que c'est qu'un acte obligatoire, al-wajib? Il dit, « Ma yuthabu li fi'ilihi wa yu'aqabu li tarkihi. » Un acte wajib, obligatoire en islam, c'est tout acte que si tu l'accomplis, Allah te donne la récompense. Mais si tu abandonnes ça, ou tu négliges ça, Allah va te châtier, yawm al-qiyam, qu'Allah nous en préserve. Alors, quels sont les différents types de jeûnes obligatoires? Donc nous comprenons que les jeûnes obligatoires, c'est la catégorie de jeûnes que si tu fais, récompense. Si tu négliges, abandonnes ou délaisses, châtiment, qu'Allah nous en préserve. Et le type de jeûne obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé là-dessus. Dans le hadith rapporté par Aisha radiallahu anha, dans le recueil authentique de Imam al-Bukhari, auquel Rasulullah dit, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyu. Toute personne qui meurt, toute personne qui meurt ayant les dettes, les remboursements en d'autres termes, des jeûnes obligatoires que les membres de la famille se préparent à ne lui rembourser cela. Donc nous comprenons qu'en réalité, les jeûnes obligatoires, on ne doit pas s'amuser avec. On ne doit pas négliger les jeûnes comment? Obligatoires. Parce que même après la mort, mon frère, tu dois t'acquitter de cela. Les membres de ta famille, les enfants doivent s'acquitter quoi? De ces dettes. Pour que tu sois tranquille de l'autre côté. Dans l'au-delà. Alors, beaucoup de musulmans ont tendance à croire que le jeûne obligatoire, c'est seulement le jeûne du mois de Ramadan. Nous disons, détrompe-toi. Quelles sont les catégories de jeûnes obligatoires? Premièrement, qada'u sawmul Ramadan. Qada'u sawmul Ramadan. Il y a d'abord les remboursements du jeûne du mois de Ramadan. Ceux qui ont certaines journées du Ramadan qu'ils ont sauté sans jeûner, peut-être à cause de la maladie ou du voyage, comme Allah dit, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَإِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ceux d'entre vous qui sont en voyage ou bien qui ont été atteints d'une maladie, alors qu'il rembourse un nombre égalable de jours. Et voilà pourquoi nous interpellons surtout les femmes. Et voilà pourquoi vous les hommes rentrez à la maison, sermonnez vos soeurs, vos tantes, vos femmes, vos mamans par rapport au remboursement du jeûne du Ramadan. C'est obligatoire.
Voilà, nous sommes à jour J-23 jours du Ramadan, Inch'Allah. Alors que celui ou celle qui a les remboursements du jeûne du mois de Ramadan de l'année passée, qu'il se précipite ou qu'elle se précipite à les rembourser rapidement parce que le Ramadan arrive. Parce que nous en trouvons souvent beaucoup de sœurs négligentes. C'est quand le Ramadan arrive, elle a saigné. C'est Ramadan à cause de la menstruation ou de l'oshi. Elle n'a pas pu gêner 5 jours le Ramadan passé. Elle est là, elle mange, elle boit, masha'Allah, elle ne rembourse pas son jeûne. Voilà le Ramadan qui approche, on est en train de parler. Voilà, voilà, c'est à moins 2 jours déjà du Ramadan. Wallahi Sheikh, wallahi Oustaz, l'année passée, j'ai eu 5 Ramadan. Voilà que maintenant le Ramadan reste 2 jours. Je veux faire comment pour rembourser? Non. Voilà pourquoi nous disons, parmi les types ou les catégories des jeûnes obligatoires, il y a d'abord le remboursement du jeûne comment passé. Allah. Et parmi les jeûnes obligatoires également, kafaratul dima'u fi nahari Ramadan. Il y a la compensation, ce qu'on appelle akafara. Pour celui qui a eu affaire des rapports intimes en pleine journée du Ramadan. Allah. Ceux qui ont eu affaire les rapports en pleine journée du Ramadan. Nous savions que les journées du Ramadan, il est strictement interdit les rapports de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais cependant, on vous a admis cela dans les nuits. Uhilla lakum laylat siyam rafath ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna li anfusikum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum. Allah dit, uhilla lakum, vous sont permises les nuits du Ramadan, laylat siyam, les nuits du Ramadan, d'avoir des rapports avec vos épouses. Voilà pourquoi certains musulmans là, ne pensez pas qu'avoir les rapports intimes durant la nuit du Ramadan est haram, non. Et on a certains sœurs également, ignorantes de la religion, elles refusent le mari dans la nuit du Ramadan. Non, c'est halal. Allah dit, on vous a permis cela. D'avoir des rapports intimes avec vos épouses. Elles sont un vêtement pour vous et vous en êtes également un vêtement pour elles. Et Allah dit maintenant, Alim Allah, Allah connaît. Kuntum tahtanuna anfusakum, que vous aviez souvent des rapports clandestins avec ces femmes-là durant la nuit du Ramadan. Vous saviez, au début de l'islam et au début de la prescription de ce jeûne du Ramadan, aux compagnons du prophète, il était interdit de faire des rapports dans la nuit au départ de l'islam. D'accord? Mais cependant, on a passé toute la journée. Et avant, quand, après, si tu n'as pas mangé juste avant Isha et que tu as dormi jusqu'à Isha est passé, alors tu ne mangeras que le lendemain. Avant, c'était comme ça la loi. Mais comme Allah, il est Ar-Rahim, le miséricordieux, il a enlevé cette sentence-là. Il y a eu des sahabas qui, dans la nuit, guettaient, allez, il avait des rapports. Et puis, un jour, ils sont allés se plaindre chez le prophète, puis Allah a révélé ce verset. Maintenant, la nuit, c'est permise. D'accord? Mais en journée, c'est interdit. Alors, tout musulman qui a fait les rapports avec ses épouses durant la journée, voilà, n'est-ce pas, il a al-kafara. Pourquoi? Parce qu'il y a un compagnon, un compagnon durant la nuit et les journées du Ramadan, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à avoir des rapports avec son épouse. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, halaktu. Wallahi ya Rasulallah, c'est fini pour moi. Je suis détruit à jamais. Il dit, wama halakaka,
Rasoulullah dit, qu'est-ce qui t'a anéanti à jamais? Il dit, wakatu ala imraati fi Ramadan. Wallahi ya Rasoulallah, j'ai eu à faire les rapports en journée du Ramadan avec mon épouse. Puis le messager d'Allah dit, hal tajidu ma tunfiqu raqaba. Est-ce que tu as de quoi affranchir un esclave? De écouter l'homme et la femme qui ont des rapports pendant les Ramadans, là, les journées du Ramadan. Voilà la première sentence. Vous allez affranchir un esclave. Il dit, est-ce que tu es un esclave à affranchir? Il dit là. Quand il dit, fa'al tajidu an tut'imu 60 miskinan, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Wallahi, ce compagnon lui-même, c'était un des plus pauvres. Il dit, wallahi, ya Rasulallah, même pour casser le Ramadan, combien de fois nourrir encore 60 pauvres? Alors le messager d'Allah dit, puisque tu n'as pas d'esclaves à franchir, tu ne peux pas nourrir 60 pauvres. Il dit, fa'al tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ayn, est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs, 60 jours sans rien sauter? Il dit, wallah ya Rasulallah, même celui-là, je ne peux pas. Alors il est resté quelques instants, voilà qu'on a apporté des sceaux de date au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète lui a donc donné, n'est-ce pas, ces sceaux de date. Il a dit, va dis donc partager cela aux 60 pauvres pour expier ces violations que tu as eu à faire durant la journée du Ramadan. Il regarde Rasulallah et dit, wallah ya Rasulallah, si on contourne toute la ville, si il n'y a pas plus pauvre que moi. Le prophète Ari, il a dit, vas-y donc manger cela. Allah. Donc voilà pourquoi, bien aimé dans la foi, ce jeûne de 60 jours consécutifs est un jeûne obligatoire. Je m'adresse surtout aux jeunes mariés. Vous saviez, surtout ici à Douala, c'est quand le Ramadan approche, jour J moins une semaine du Ramadan, moins 2 semaines du Ramadan, il y a beaucoup de tourbillons de mariage. Alors les jeunes mariés là, méfie-toi pendant la journée du Ramadan. Tu es là avec la jeune Amaria, elle vient d'arriver dans la fraîcheur, et évite qu'elle met les matelots, les bodys, surtout en journée du Ramadan. Parce que si vous accomplissez cela en journée du Ramadan, alors sache que tu as 60 jeûnes à faire, elle également. Et qu'est-ce que les savants ont dit? L'homme et la femme qui ont accompli les rapports intimes en journée du Ramadan, nous sommes dimanche, non? J'ai dit, il a arrêté, n'est-ce pas, la femme, Wangang. Ça fait un jour. Vendredi encore, en pleine journée du Ramadan. Hier, samedi encore, en pleine journée du Ramadan. Ça fait combien de jours? 3 jours. Les Chavans, n'est-ce pas, les Bembas, les Cheikh Albani, les Cheikh Ousseymin ont été unanimes que ça lui fait, à chaque jour que vous aviez accompli l'acte intime durant les journées du Ramadan, ça fait 60 jours de jeûne. Donc si c'est 3 jours, ça fait 60 multiplié par 3, qui est égal à combien? 180 journées, donc voire 6 mois de jeûne consécutif, sans rien sauter. Ce jeûne devient comment? Obligatoire. Oui, Allahu Akbar, mon frère. Il faut non esquiver cela. Qu'Allah nous en facilite. Ça fait partie des jeûnes obligatoires. Mais, nous disons à côté de cela, les jeunes mariés, vous le saviez, ils peuvent passer à la masturbation. En pleine journée du Ramadan. Celui donc qui s'est masturbé en pleine journée du Ramadan, alors, ce que les savants disent, il a 2 sentences. Première sentence, il doit rembourser cette journée auquel il s'est masturbé. Parce que d'ailleurs, la masturbation est interdite en Islam. Deuxièmement, il va faire at-tawba. Lui, il n'a pas gêné quoi? 60 jours. J'espère que nous avons suivi. Il doit se repentir parce qu'il a commis, n'est-ce pas, un des plus graves péchés en pleine journée du Ramadan. Et Rasulullah dit dans un hadith, celui qui ne peut pas abandonner le faux serment,
ou bien, n'est-ce pas, d'accomplir des actes illicites en pleine journée du Ramadan, alors Allah s'en passe de son jeûne. Non, si tu veux, tu jeûnes, si tu veux, tu... Allah n'a même pas besoin de ça. Voilà pourquoi il faut esquiver. Alors, nous disons, parmi les catégories des jeûnes obligatoires, il y a az-zihar. Kafarat az-zihar. Az-zihar, c'est quoi? C'est une forme de divorce. Le fait de considérer le dos de son épouse comme étant le dos de ta mère. Parce que Allah, il dit, وَالَّذِينَ يُزَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Allah dit, ceux qui considèrent le dos de leurs épouses comme étant le dos de leur mère. Puis maintenant, retour. Parce que déjà, si tu avais ton épouse, tu dis, peut-être parce qu'il y a des problèmes, tu dis que je considère ton dos est comme le dos de ma maman. Parce que les Arabes, avant l'islam, eux, ils avaient cette expression-là. D'accord? Et là, c'est une forme de divorce en islam. Alors, si tu veux retourner encore, puisque le dos de ta mère, est-ce que tu peux monter sur le dos de ta mère? Tu as considéré le dos de ton épouse comme étant le dos de qui? De ta maman. Alors, si tu veux retourner sur le dos là, pour que cela te soit licite, Allah Jalla wa Ala dit, tu as deux portes de sortie. Premièrement, Tahrir al-Raqaba. Tu dois affranchir un esclave avant de toucher encore intimement, n'est-ce pas, cette femme. C'est-à-dire avant d'avoir les rapports intimes avec elle. Et ceci, c'est ce dont Allah Azza wa Jal vous exhorte. Et Allah est parfaitement savant de ce que vous faites. Et Allah dit, فَمَنْ لَمْ يَدِتْ. Celui qui n'a pas d'esclave à affranchir, فَسِيَامُ الشَّهَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. Il doit donc jeûner 2 mois consécutifs. Allah. Voilà pourquoi, bien aimé dans la foi, on ne s'amuse pas avec le divorce. Wallah, on aura tout un chapitre, Inch'Allah, pour traiter du divorce en islam. Le fait de considérer le dos de ta mère, de ta femme comme étant le dos de ta mère, si tu le dis, tu as divorcé. Wallah, je connais une des sœurs qui venait à ma prêche. J'ai cru que c'était les choses de la jahiliya des Arabes à l'époque. Pourtant, il y a des musulmans qui le font. Wallah, elle est venue un jour, elle m'a fait part que son mari a considéré son dos comme le dos de sa maman parce qu'il a eu des problèmes. Alors, la seule solution, si tu veux rentrer, c'est de faire deux mois de jeûne consécutif. Et ce jeûne-là est comment? Obligatoire. Voilà pourquoi, bien aimé dans la foi, le divorce, ce n'est pas une chose à s'amuser. Rasoulullah dit, il y a 3 choses qu'on ne devra pas s'amuser avec. Vous voyez souvent, le fait d'avoir de petits enfants, filles là, et tu dis que voici ma femme et que je l'ai divorcée, si tu le dis, c'est que c'est ta femme que tu as divorcée. Même ceux qui font souvent les cinémas ou ça, les gens qui jouent au cinéma là, si dans un cinéma tu considères la femme que tu es là dans le cinéma que c'est elle ta femme et que tu divorces et que tu as une femme à la maison, c'est que tu as divorcé d'elle. Le divorce est considérable parce que le prophète dit il y a 3 choses qu'on ne doit pas s'amuser avec. Et j'aimerais attirer l'attention surtout, n'est-ce pas, de nos jeunes frères et sœurs. Parce que l'autre jour, j'étais en train de zapper la télé. J'ai vu, n'est-ce pas, c'est nos jeunes frères et sœurs qui ont commencé également le cinéma. Comme, n'est-ce pas, les Nigériennes, n'est-ce pas, et Nigériens, n'est-ce pas, le font. Laissez-les leur affaire. Qu'Allah le guide. Et ce sont des musulmans. Mais nous disons, le cinéma est strictement interdit en islam. On viendra sur un chapitre, n'est-ce pas, par rapport à cela. Parce que, c'est le mensonge du début jusqu'à la fin. Vrai ou faux? Et Allah dit, Fawailul lil mukazibin, malheur aux menteurs. Et wailun
Les ulémas du tafsir disent c'est une grotte en enfer qui, lorsqu'on ouvre cette grotte en enfer, même l'enfer demande protection auprès d'Allah contre la grotte de Waïlou. Et Allah dit malheur aux menteurs, et c'est là où on va enfouir, n'est-ce pas, des menteurs. Tu portes un nom dans le cinéma qui n'est pas ton nom. Mensonge contre Allah. Et de deux, tu considères ça, c'est ta maison. Ce n'est pas ta maison. Après le film, on vous chasse. C'est déjà un autre mensonge. Celle-ci, on te montre notre femme. La plupart de nous ne se marient que dans le film. Voilà pourquoi nous disons que nos frères et sœurs là arrêtent, wallah. Inch'Allah, on aura une prêche spéciale sur la place du cinéma, n'est-ce pas, selon la charia, la loi de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Alors, cela également est une obligation. Et les cinéastes là, tout musulman qui va dire à quelqu'un dans le film que je te divorce, n'est-ce pas, c'est considéré. C'est sa femme qui l'a divorcé à la maison. Qu'Allah nous en préserve. Et parmi les jeûnes obligatoires, bien-aimés dans la foi, il y a Al-Kafaratul Yamin, Bil Yamin. Le fait, n'est-ce pas, de jurer mensongèrement. Allah dit la yu'akhizukumullahu billahu fi aymanikum. Allah ne vous saisit pas à cause, n'est-ce pas, de lapsus de langage que vous aviez, n'est-ce pas, vociféré dans vos serments. Walakin yu'akhidhukum bima aqdattumul ayman. Mais Allah vous saisit à cause de ce que vous aviez intentionnellement eu cela dans le cœur. Fa kafaratuhu it'amu 'ashrati masakin. Allah dit la compensation ici, ou bien l'expiation de ce faux serment là, c'est de nourrir 10 pauvres. Min awsati ma tut'imuna 'alaykum. De la nourriture convenable que vous nourrissez vos propres familles avec. Aoukiswatuhum, ou que vous habillez les 10 pauvres là, aoutahariru rakabatin, troisième sanction, ou soit vous affranchissez un esclave, Allah dit famallam yadid fasiyamu salasati ayyamin. Alors celui qui n'en trouve pas tout cela, qui jeûne 3 jours. Le fait de jurer mensonge noir. Wallahi, comme tu vois mon frère, j'ai fait ceci ou bien je n'ai pas fait ceci. Mais un mensonge, n'est-ce pas, un serment que tu as pris l'intention dans le cœur de mentir. Allah il dit, si tu n'as pas, tu dois nourrir 10 pauvres ou habiller 10 pauvres ou affranchir un esclave. Si tu n'as pas tous ces moyens, tu dois jeûner 3 jours. Et ce jeûne de 3 jours, c'est un jeûne comment? Obligatoire. J'espère que nous avions suivi. Et parmi les jeunes, la catégorie des jeunes obligatoires également, il y a le fait de tuer un être humain ou bien un croyant accidentellement, involontairement. Allah dit, toute personne qui va tuer un croyant involontairement, alors il doit payer le prix du sang. Il va payer le prix du sang à la famille, à moins que la famille ne désiste. Et le prix du sang, c'est combien? 100 chameaux. Si un chameau coûte 1 million, ça fait 100 millions que tu dois déverser à qui? À la famille. Et le prix du sang ici, ce n'est pas toi seulement, le meurtrier, qui paye. Tu as peut-être fait l'accident avec la voiture, tu as cogné quelqu'un, il est mort. C'est tous les membres de ta famille qui doivent, n'est-ce pas, se réunir pour payer les 100 chameaux. Et de deux, tu as 2 mois de jeûne que tu dois faire. Consécutif, c'est-à-dire si tu jeûnes 59 jours et que tu sautes un jour, tu recommences à zéro. Donc ce 2 mois de jeûne également est un jeûne comment? Obligatoire. Et si l'on meurt ayant eu, puisqu'on a dit les jeûnes obligatoires, si tu meurs, la famille doit les rembourser. Si c'est, tu as tué une personne, ça fait 2 mois de jeûne. Si c'est 2 personnes, ça fait 4 mois. Et si tu as tué et 2 mois de jeûne, n'est-ce pas, qui est l'expiation pour toi, et si à jamais tu es mort, alors ce n'est pas qu'on va diviser les 2 mois là aux membres de la famille, donc c'est une personne dans ta famille qui doit s'occuper, n'est-ce pas, à jeûner les 2 mois consécutifs. Inch'Allah, voilà la catégorie des jeûnes obligatoires pour finir rapidement. Asawmun Nazar, c'est-à-dire le jeûne des vœux.
ce que tu as formulé, tu dis que ya Allah, si tu me donnes un boulot ou bien mon diplôme, je vais gêner 3 jours pour te dire merci. Ce jeûne-là aussi est devenu quoi? Obligatoire. Inch'Allah, ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense, selon nous avions faussé, qu'Allah nous pardonne. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين